alors qu'ils étaient censés respecter la trêve humanitaire décrétée sur la demande des États-Unis d'Amérique. Les rebelles du M23, soutenus par l'armée rwandaise, ont largué une bombe ce lundi dans le village de Boremana, au nord Kivu. Le bilan actuel fait état de 4 morts, dont une femme et un enfant, mais aussi plusieurs blessés parmi les civils. La société civile de cette province regrette cet acte et appelle l'armée congolaise à prendre des précautions. Dans cette même province, des militants des groupes de pression ont manifesté ce lundi dans la matinée dans la ville de Butembo. Ils protestent contre l'avancée des rebelles du M23 et de l'AFC de Corneille Nanga vers le territoire de Lubero, un bain de foule qui a paralysé les activités socio-économiques allant de la ville commerciale jusqu'au village de Moussienene, situé à plus de 15 km où la lecture d'un mémorandum était attendue.